Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et le coup d'envoi a donc été donné. Pas mal du tout, ça! Saliba. S'il le trouve, Diaby. Messi. Et voici Modric. C'est joué long, attention. C'est joué long, c'est dangereux. L'ouverture lumineuse. Quelle fait du bien cette interception. Allez, oui, ça part bien. Neymar. Le ballon dans la profondeur. Ça joue long. Oui, la bonne course. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Non, c'est récupéré. Les gardiens passent un match très tranquille jusqu'ici. Il allonge le jeu. Saliba, bien récupéré sur ce duel. Le bon ballon. Le bon jaillissement. Eh ben dis donc, c'est pas folichon comme entame. Toujours pas le moindre tir. C'est une remise en jeu. Bien vu, c'est intercepté. Le soutien derrière lui. Le centre étendu. Ça ne passe pas. Oh oui! Oh, l'intervention magnifique! Et le gardien est présent! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Allez, c'est dangereux! Pas très bien joué, ça. Attention au contre. Ah oui, superbe transition. Il ne résiste pas au contact. Pinamonti. Kanté. Hakimi. Avec Kanté, le jeu repart vers la droite.
Badelj. Oui, ça peut être dangereux. C'est joué long, c'est bien donné. Il n'est pas hors jeu. La frappe et l'ouverture du score. Il était bien placé, c'est la passe qui fait toute la différence. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Un ballon envoyé de la tête. Oh dommage, la passe était parfaite. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. C'est bien fait. Ça... Attention, la frappe. Alors là, c'était chaud. Super sauvetage. Modric. Kanté. Messi maintenant. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. Il joue sur sa gauche. Oui, c'est joli, mais ça n'a pas impressionné son adversaire. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Sur le banc, on voit un entraîneur qui semble un peu partagé. Faut-il aller chercher l'égalisation avant la pause ou bien éviter d'en prendre un deuxième? Il combine parfaitement. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Quelle passe! Ça bouge, côté gauche. Il concède un coup franc. Un peu d'air pour la défense. Oh, ça peut aller au bout. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Dans la profondeur. Il file dans l'axe. La frappe, attention! Attention au contre. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Pinamonti. Il cherche la profondeur. Attention, la frappe! Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Des défenses solides, des attaques qui manquent un peu de précision. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Oh, la belle contre-attaque. Bon service dans la profondeur. Bien joué, il y avait danger. Modric. Allez, oui, ça part bien. Coup franc pour le Maroc. Messi. Quelle technique. Oui, ça peut être dangereux. Oui, bon contact, c'est récupéré. Et ça peut partir en contre. Il choisit le côté gauche. Messi. Il va provoquer. Et ils peuvent remercier la chance cette fois. Ah oui, mais quelle intervention! D'autant plus cruciale qu'ils étaient en infériorité numérique. Mbappé. Modric! Un grand dégagement le plus loin possible. Ça cherche la profondeur. La longue passe. C'est joué dans la profondeur. Le bon dribble. C'est bien fait! Ce ballon dans la boîte! Tiens, un peu de répit. Il rejoue derrière. Il est marqué de près. Il a centré. Il tente de se dégager. Attention, ça peut aller très vite. Il part en solo. C'est joué dans l'espace. Oh, il y avait danger. Oh, sur ce tacle, aucun doute, pénalty.
Ah oui, il n'y a pas grand-chose à dire là, c'est évident. C'est une occasion en or d'égaliser. C'est une possibilité d'égaliser, le match pourrait bien basculer sur ce pénalty. Oh, la frappe parfaite, les deux équipes à égalité. C'était important et il n'a pas tremblé. Il avait l'air vraiment à l'aise et il a bien tiré. Le jeu reprend sur un score de parité. Ils sont récompensés de leurs efforts et... Oh, l'aspiration! Le gros dégagement. Avec Kanté. C'est joué en retrait. Kanté. Modric maintenant. Il est là, à la réception. Non, ça manque d'application. Beckenbauer. La bonne passe. Coup franc pour le Maroc. Substitution in progress. Modric. Kanté. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Joli. Le ballon dans la profondeur. Oui, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Badel. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Il est bien placé. Allez, un dernier mouvement, une dernière accélération pour forcer la décision. Ça joue à gauche. Avec Kanté. Avec Kanté. Il est bien trouvé. Il rejoue derrière lui. Il peut y aller. Comment a-t-il pu manquer ça? Oui, et c'est vraiment dommage. C'était peut-être le but de la victoire. Kanté. Saliba. Il frappe. Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. La passe dans la profondeur. Il déclenche son centre. Modric sur la gauche. Dommage, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. À moins qu'on ait le temps pour une dernière occasion. Le dégagement. Le ballon sort du terrain. Guardiola. Modric. C'est bien donné. Il joue vers l'arrière. C'est joué. Il tente sa chance. Oh, magnifique! Que c'est important de marquer à cet instant. Ils ont opté pour la simplicité. Ils ont eu raison. Ces deux joueurs ont parfaitement combiné. L'appel, la passe, la finition. Tout était perfect sur cette action. On a déjà vécu pas mal de rebondissements dans ce match. Et s'il y en avait un petit dernier? Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Quel match, quel suspense et quel résultat à l'arrivée pour eux. Ils ont... It's time to go, time to change your life, time to take control. Who knows? Only you know what the future holds. Give it the same old, but you own your soul. So this world is yours, and know this world's mine. Cause I stay on my, prom, let me remind you. I'm over no, clean up my home, and then get my hair done.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Le Stadio Giuseppe Meazza est recouvert de bleu et de noir. Ce n'est pas une surprise. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. L'Inter contre le Maroc. Danger écarté, ça repart. Oui, ça peut faire mal. Mkhitaryan qui récupère ce ballon. Saliba. Messi. Mbappé. Oh, attends. Allez, jusqu'au bout. Et le but. Et regardez un peu qui marque dès le début de cette rencontre. C'est clair qu'il lui a pas fallu longtemps pour démontrer encore tout son talent. Quelle transition formidable. Dès qu'ils ont récupéré le ballon, c'est vraiment allé très vite. Bravo. Aucun round d'observation. C'est le choc qu'on attendait. C'est joué long, c'est dangereux. C'est intercepté, quelle bonne lecture. Oui, il a bien anticipé. Darmian. Le Maroc qui réalise un très bon début de match. C'est quand même une entame de rêve. Jusqu'ici, tout roule. Guardiola. Et le ballon a franchi la ligne. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. C'est Darmian qui centre. Coup franc pour l'Inter. Avec Mkhitaryan. La passe dans la profondeur. Il tente sa chance. Et oui, but ! Et les voilà déjà revenus à égalité. Et ben voilà, quand on vous dit qu'il faut parfois un but pour obtenir une réaction. C'est parfois si simple le football. Ballon en profondeur et un coéquipier pour le glisser au fond des filets. Oui, le service était impeccablement dosé. Ça l'a parfaitement lancé. Et derrière, il ne tremble pas. Le jeu reprend sur un score de parité. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention, messieurs, il faut rester concentré. Ah, pas de réussite. Ils ne se sont pas compris. Bien, la profondeur. Thuram reçoit le ballon. C'est joué dans l'espace. Ça sent la frappe. La frappe, attention. L'ouverture était lumineuse. Dommage. Oui, c'était super bien joué dans la profondeur. Mais il faut aussi saluer la qualité de l'appel. On assiste à un match intéressant et équilibré jusqu'ici. Modric. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. C'était peut-être un peu trop bouché dans l'axe là. Il avait bien lu cette passe. Oui, très bon. Oh, l'inspiration. Oh, le but phénoménal du Maroc. Il repasse devant. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend un. Les voici avec un but d'avance. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche plutôt bien jusqu'ici. Thuram, ça joue long. C'est une occasion, ça ! Quel but ! L'égalisation ! Ça n'aura pas traîné !
C'était la réponse parfaite. Ils ont fait le dos rond. Continuez à pratiquer le jeu et ça paye. Ils ont opté pour la simplicité. Ils ont la frappe. Oh, le but phénoménal du Maroc. Et ils prennent l'avantage. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Il tire et ça finit au fond. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Tout part de ce ballon repris au milieu de terrain et après c'est allé très très vite. Voilà une occasion parfaitement exploitée. Ils ont fait le break et c'est reparti. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. C'est Darmian qui centre. Messi. Attention, ça peut aller très vite. Il continue son action. Di Marco. Avec Mkhitaryan. C'est un bon mouvement. Pavard. Martinez. C'est récupéré facilement. Oui, ça peut être dangereux. Messi. Ribéry. Martinez. Dans la profondeur. Il n'a pas pu retenir son geste. Penalty. Oui, pour moi, il y a clairement eu contact dans la surface. Décision totalement logique, c'est confirmé par les images. Et voilà, ils réduisent le score sur ce penalty. Oh, le calme, c'est impressionnant. Ah, le gardien n'a pas eu la... C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Alors, pour être honnête, et je le suis de temps en temps, je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais je suis agréablement surpris. J'espère que la mi-temps ne va pas leur couper les jambes et que la seconde période sera tout aussi intéressante. Oui, les deux gardiens ont souffert, mais nous, on s'est régalés. Et le suspense est ainsi. Thuram ! Oh, but ! Pas le temps de douter, ils ont vite égalisé. C'est incroyable, ils reviennent encore au score. Quelle volonté! C'est une contre-attaque parfaite. Ils se sont bien projetés à la récupération du ballon et ils sont allés au bout. Ils tirent, ça va au fond, c'est but! Le jeu vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Et oui, encore décisif. La mi-temps lui a fait du bien, on dirait. Vraiment magnifique ce 1-2, ils se comprennent parfaitement, c'est fabuleux. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Hakimi. Et il continue de progresser. C'est joué long, attention. Bien donné, plein axe. Mbappé. Bien servi sur le côté. Et c'est intercepté. Darmian. Non, ça ne passera pas. Oh, voici Neymar. Il est passé. C'était chaud. Il remporte son duel. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Le ballon circule bien. Techniquement, c'est soyeux. Un ballon intéressant. Ballon gardien, c'est un 6 mètres. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. Avec Mkhitaryan. C'est joué long. Wow,
Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Hakimi. Messi. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. C'est normal, il a le chic pour faire des passes décisives. Il a déjà prouvé. Duel épaule contre épaule. Il interrompt cette longue séquence. Bien joué. Pavard. Darmian. Avec Mkhitaryan. Sur la gauche. Di Marco. Dans la profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Saliba. Guardiola. Avec Kanté. La passe dans la profondeur. La bonne lecture. Il ne se pose pas de questions. Le ballon dans la profondeur. Martinez ! Un peu d'oxygène. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Le centre. L'horloge tourne et la frustration risque de monter. L'interception au bon moment. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Ribéry. Ça va vite. Messi reçoit le ballon. C'est bien donné. Le bon ballon. Le jeu repart vers la droite. Il avance bien. Peut-être une occasion pour Neymar. Il y a peut-être un coup à jouer. Il choisit le côté gauche. Le soutien derrière lui. Va-t-il en profiter? Bien vu, c'est intercepté. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Sur le côté. Et ballon perdu. Encore quelques instants, et ils pourront fêter la victoire. Mkhitaryan. On est dans le temps additionnel. Quelle détente! Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes. Mais malheureusement, le coup de sifflet final vient de retentir. Un seul but d'écart entre les deux équipes. On a vraiment assisté à un match serré jusqu'au bout finalement. Et logiquement, les meilleurs l'ont emporté.